Nordel Lelandais est né en 1983 à Boulogne-Billancourt. Ce personnage est tristement célèbre dorénavant puisqu'il est réputé comme un très dangereux tueur pédocriminel et un ancien militaire français. Il a été accusé d'avoir commis plusieurs meurtres et agressions sexuelles sur mineurs. Il a été mis en examen à compter de 2017 concernant la disparition, la séquestration et le meurtre de la petite Maëlys Desrojo, qui avait disparu lors d'un mariage dans lequel Nordel était également invité. Par la suite, il sera également mis en accusation dans la mort du caporal Arthur Noyer. Nordel Lelandais a nié tous les faits qui lui étaient reprochés jusqu'au moment où les preuves ont parlé à sa place. Ce n'est qu'alors qu'il a commencé à effectuer quelques déclarations et à assumer ses actes. Ainsi, il a avoué le meurtre de Arthur Noyer suite à une bagarre supposée et le meurtre de la petite Maëlys qu'un coup malencontreux placé au niveau du visage aurait également tué. Que savons-nous de ce personnage qui, bien malheureusement, a été dans la nature suffisamment longtemps pour pouvoir présumément commis d'autres crimes? Agit-il seul? Est-il accompagné? S'agit-il d'un réseau, d'une organisation? C'est ce que nous allons essayer de déterminer au travers des tirages que je vais vous proposer aujourd'hui. Je tenais à vous préciser que dans l'affaire Arthur Noyer, la Cour d'assises de Savoie a reconnu coupable d'homicide volontaire en 2021 Nordel Lelandais et l'a condamné à la réclusion criminelle avec une période de sûreté fixée aux 2/3. Dans l'affaire Maëlys Desrojo, la cour d'assises de l'Isère l'a reconnue coupable d'enlèvement, séquestration et meurtre le 18 février 2022. Il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans. Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va parler aujourd'hui d'un personnage qui a fait l'actualité il y a quelques mois et quelques années, à savoir Nordel Lelandais, qui a été accusé dans le meurtre de la petite Maëlys et du caporal Noyer et pour lequel des enquêtes sont encore en cours afin de définir s'il aurait pu éventuellement commettre d'autres meurtres par le passé. Donc ce que je voulais vous proposer comme tirage au sujet de ce personnage, c'était d'étudier ensemble son tempérament et sa personnalité afin de définir si oui ou non il aurait pu s'agir d'une organisation dans laquelle Nordel Lelandais n'aurait pas agi seul. J'ai, voilà, comme vous pouvez le voir, déjà sorti le jeu de haut avec la carte du ressentiment qui arrive d'emblée pour Nordel. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne journée et que vous n'avez pas trop chaud. Je dis ça avec un peu d'ironie parce que je suis sur Twitter également et qu'il y a un grand débat au niveau des températures et de l'abattage médiatique concernant la canicule. Donc il y a un grand débat entre les uns qui disent qu'on n'a pas si chaud, qu'on voudrait bien nous le faire croire et qu'on est juste en été, et d'autres qui disent qu'effectivement il y a un réchauffement climatique important d'un coup et des températures jamais vues. Alors. Nordel, donc cet homme qui a été incarcéré à Saint-Quentin-Fallavier dans un premier temps, avant d'être transféré. Donc on a pu considérer que cet homme était responsable pénalement, donc pas atteint par un trouble psychiatrique, ce qui est plutôt bien pour les familles, puisque s'il avait été reconnu comme personne irresponsable, le procès n'aurait pas pu avoir lieu. En tout cas, pas dans la même proportion. Donc les ressentiments, le partage, donner des ennuis, se conformer. On est sur la personnalité de Nordel Lelandais, embarrassé, la peur,
Esclave, stupide, ça me fait penser un peu au tirage de Grégory, et aimé. Donc on va compléter ces cartes comme toujours avec des illustrations et en déduire ce que l'on peut vouloir nous dire sur cette personnalité trouble. On n'a pas su grand chose, hein. C'est vrai que cette personne est présentée comme un maître chien, quelqu'un de très instable professionnellement et qui aurait eu des amis pourtant qui ne s'attendaient absolument pas à ce qu'il puisse un jour tomber pour une affaire de pédo. La carte de l'arc-en-ciel, du pont, du soleil et du joli paysage sur le ressentiment. Donc Nordel aurait pu être quelqu'un qui est nourri de colère, qui a du mal avec les situations joyeuses, comme si peut-être il se l'interdit. C'est possible qu'on veuille nous dire aussi ici qu'il a un ressentiment vis-à-vis de ses orientations sexuelles, puisque on sait qu'il a visiblement un grand intérêt pour les hommes également. Donc un ressentiment vis-à-vis de son choix. Ensuite, nous avons cette carte qui tombe, qui est représentative de personnes qui s'entretiennent et quelqu'un qui n'est pas intégré dans le groupe. Et là, on voit que ça couvre la carte du partage. Donc en fait, c'est quelqu'un qui a tout le temps été exclu, qui s'est senti exclu du groupe, qui n'a pas pu échanger avec ses congénères comme il l'aurait souhaité. Peut-être une tendance paranoïaque ici. Donner. Donc on voit qu'il y a bien eu un rapt, un vol, un kidnapping d'enfants pour le donner certainement à quelqu'un d'autre. On va recouvrir ce voleur. Et c'est comme dans l'affaire Fourniret, je pense qu'on ne sait pas tout. Ouais, vous voyez, c'est l'autel du sacrifice qui tombe. Donc pour moi, il a vraiment fourni des personnes à d'autres. C'était pas du tout. Tout n'était pas pour lui en tout cas. Peut-être qu'il a commis lui aussi des choses terribles. Mais cet enfant, je pense que Maëlys, c'était pas pour lui. Et que lui était plutôt attiré par les hommes. Et potentiellement, par contre, le capitaine Noyer, c'est possible que ce soit lui qui. Alors pour Maëlys, bien sûr, on sait que c'est lui qui est accusé, hein, évidemment. Mais je suppose qu'il a pu faire ça avant. Ou qu'il avait comme idée de faire ça pour d'autres personnes par la suite. L'ennui avec une plage désertique. Donc on sait qu'aujourd'hui, il est seul, complètement isolé. Qu'il aimerait dire visiblement qu'il était dans un réseau, qu'il a agi pour le compte de personne, mais que plus personne ne l'écoute. Se conformer à la médecine. Donc potentiellement, je pense que c'est quelqu'un qui doit être sous traitement médical d'un point de vue psy. Donc oui, il doit se conformer à ce qu'on lui demande de faire aujourd'hui, qui devrait pouvoir, je l'espère, le tranquilliser pendant son incarcération, si jamais, puisque je pense qu'il va ressortir un jour comme beaucoup de monde. Donc embarrassé, et nous avons le diable qui ressort. Donc Nordal était vraiment gêné par cette pulsion, en tout cas, qu'il animait, puisqu'il avait quand même une pulsion avec les enfants. On sait qu'il a filmé sa nièce pendant son sommeil en faisant des trucs bizarres. Bon, c'est sûr qu'il avait quand même une attirance lui aussi, mais derrière, il y a effectivement, je pense, une organisation. Donc sur la carte de la peur, nous avons une course, nous avons une compétition sportive. Et je pense qu'on veut nous signifier ici ce qui a animé en fait Nordel, à savoir qu'il a eu peur de se faire choper et que là, pour le coup, c'était une course de fond, un vrai sprint, quelque chose qu'il a malheureusement pour lui échoué, et tant mieux pour nous et les autres personnes qui auraient pu subir ces horreurs. Mais on voit que cette peur n'est pas liée qu'à lui-même, ils sont plusieurs et c'est peut-être aussi lié à une sorte de récompense. Donc je vais, voilà, bon bah écoutez... La méthode, hein, la rigueur, la méthode, le côté scientifique. Il a eu peur, en fait, de se faire choper, de se faire avoir. Et à mon avis, on nous parle de quelqu'un qui aurait agi dans l'ombre, ici, pour que les charges ne reviennent qu'à lui et qu'on ne remonte pas plus haut. Je vais quand même reconfirmer. Une dernière carte pour ici, voilà. Donc on est bien sur des personnes dont les chemins se séparent, qui ne regardent plus du tout dans le même objectif, dans le même endroit. Il a été lâché par ses associés, hein. Il a été complètement lâché. Qu'est-ce qui rend Nordel le Landais esclave, pardon, c'est la colère. Le ras-le-bol, les situations peut-être conflictuelles autour du foyer.
On voit la table ici. La table représente également la vie familiale, les repas, tout ça. Et le verre cassé, la coupe est pleine. On peut estimer qu'il a été esclave de ce tempérament très très nerveux. La stupidité est recouverte par cette tête qui est un visage effrayé. Donc, est-ce qu'il s'est rendu compte que lui-même était stupide ou que ce qu'il faisait l'était? Ouais, alors en fait, non, on nous parle plutôt de son enfance ici et on nous dit qu'il n'a jamais été valorisé, que c'est quelqu'un qui a été considéré rapidement comme un imbécile et comme un imbécile, mais et chez lui et scolairement parlant, quoi. Il y a vraiment eu autour de lui des agacements par rapport à son tempérament, par rapport à son caractère. Et qu'est-ce que Monsieur Lelandais aime? Alors, Monsieur Lelandais a semé. Monsieur Lelandais a répandu. Alors, répandu quoi? On va recouvrir. Hop. Bon. Je peux pas vous la montrer parce que c'est indécent. Ce sont des parties génitales masculines. Donc, bon. J'ai pensé à la semence ici. Et vu que c'est un homme, voilà, bon, il aimerait certainement les gens du même sexe que lui. Voilà ce qu'on peut nous dire brièvement sur Nordal Lelandais dans sa personnalité en règle générale. Aujourd'hui, l'objectif de tout ça, c'est de savoir s'il appartient à une organisation criminelle qui utiliserait des personnes, enfants ou non, que ce soit pour des trafics d'organes ou que ce soit pour d'autres motifs peu glorieux. Donc je voudrais savoir autour de Nordal-Lelandais qui est en activité. Et aujourd'hui, donc ils sont plus du tout autour de lui. Hein. Je crois même pas qu'il a de visite au parloir. Mais en tout cas, il a plus ses connexions là. Les rats ont quitté le navire. Ce que je vous propose, c'est donc de poser cette question avec un autre jeu. Donc, je pense que je vais partir quand même sur ce jeu-ci. Le tiracle. Le tiracle. Ah non, le tarot de la lumière. J'ai fait un mélange de tirage et de tarot et d'oracle. Allez, pour Nordal. Donc, je vais faire un tirage avec 5 cartes qui vont nous présenter la situation actuelle, ce qui va favoriser les choses, ce qui aura été un inconvénient. Un conseil, et, enfin une conclusion et un conseil pour cette situation. Donc aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup d'affaires où on a dit, tiens, on va étudier la piste Lelandais. Je les reprends parce qu'il y en a plusieurs. Et malheureusement, ben, pour certaines familles, ça avait redonné de l'espoir. Et puis finalement, comme il n'y a pas la possibilité de tracer les téléphones comme ça l'a été fait pour le caporal Noyer et pour Maëlys, hein, puisqu'on a pu tracer son téléphone à lui, eh bien c'est beaucoup plus compliqué d'obtenir des informations avec certitude au bout d'autant d'années, à une époque où parfois les gens ne possédaient pas du tout de téléphone ou avaient peut-être des beepers même à l'époque. Donc c'est vrai qu'il y a une grande complexité pour les enquêteurs de relier les crimes qui pourraient l'être à Monsieur Lelandais, puisque matériellement le temps est passé et les preuves se font forcément de moins en moins probantes. Alors, dans la situation présente, on nous dit qu'il y a un épuisement physique pour lui et mental. On voit ici cette carte qui est très négative pour le stress. C'est quelqu'un qui fuit ses responsabilités et qui est dans le déni. Ici, on peut dire quelque chose qui aurait pu aider dans son tempérament, dans sa vie, dans sa prise de décision. Et on voit que c'est la lune qui ressort. Donc la lune, avec tout ce qu'elle représente de caché, tout ce qu'elle représente qui est fait dans l'ombre. Cependant, cette carte arrivant à l'envers, on nous apprend ici qu'il y a eu une libération des peurs qui a été faite. Et peut-être aussi quelque chose qui a été dédramatisé autour de ce. Je pense que c'est quelqu'un qui a relativisé et qui s'est rassuré en se disant bah, c'est pas si grave ce que je fais. Voilà. Ici, donc, c'est plutôt quelque chose de la carte qui représenterait des limites, des ralentissements, des problématiques. Et on nous parle du 4 de bâton qui, ici, en arrivant à l'endroit, nous dit qu'il y a un engagement et une alliance, clairement. Donc, il y a bien une alliance, hein, autour de lui. Le soleil renversé
et le roi d'épée. Donc le soleil renversé, figure très intéressante là aussi. Il y a quand même la lune et le soleil dans ce tirage. Donc on voit qu'on est face à quelqu'un qui a, semble-t-il, des troubles bipolaires ou en tout cas une personnalité ambivalente, très ambivalente. Peut-être de la schizophrénie, c'est possible aussi. Donc ici, on nous dit qu'il aurait fallu... Alors, on avait la lune à l'envers. Et pour le soleil, ici, on nous parle plutôt d'un retard au niveau d'une réussite, de quelqu'un qui est très égocentrique. Voilà. C'est quelqu'un qui, oui, qui faisait du show-off et qui n'était pas forcément agréable pour son entourage. Alors, en conclusion à tout ça, pour ce faire, je vais... Donc, le roi d'épée qui, ici, est arrivé à l'endroit. Et comme on a commencé à le comprendre à force d'utiliser ces cartes tous ensemble, ce roi d'épée représente plutôt une personne autoritaire, stratège et plutôt exigeante et impartiale. Donc là, on pourrait nous référer à un chef de clan ou un chef de groupe. Donc, évidemment, je vais continuer et approfondir ces questions-là. Et nous allons utiliser le jeu. J'hésite, mais je pense que je vais partir sur le résilient, afin de voir comment il a pu en arriver là, Nordal. Parce qu'en réalité, on est un peu le fruit de notre éducation, effectivement. On est le fruit de nos traumas aussi, effectivement. Et puis, on est parfois soumis à nos problèmes mentaux, hein, à des problèmes vraiment liés à la fonction cérébrale. Et je voudrais savoir si lui a eu ce problème-là, puisqu'on sait qu'il consommait de la cocaïne et que c'est des produits qui ont des lourdes répercussions sur les réactions des personnes et sur leur tempérament. Donc je voudrais voir si on peut nous expliquer comment Nordal en est arrivé là et comment cette escalade de l'horreur a pu débuter dans sa tête. Okay. Donc un enfant qui est isolé et qui est triste. Donc comme je le disais, moi selon mon point de vue et avec mon interprétation, on nous parle de lui comme un enfant qui n'aurait pas reçu l'attention, l'amour, la valorisation dont il aurait eu besoin pour se construire correctement en tant qu'adulte. C'est quelqu'un qui a été ou qui s'est senti, alors peut-être que des fois dans nos cerveaux enfants, on imagine qu'on ne nous a pas aimés, on imagine des choses qui ne sont pas vraies et qui distordent la réalité. C'est peut-être son cas, peut-être qu'il a eu à un moment donné une séparation avec les parents et qu'en tout cas il s'est senti complètement délaissé. C'est quelqu'un à qui on a confié des secrets et qui en a confié également. C'est quelqu'un qui est discret. Quelqu'un qui voulait avoir une ascension alors peut-être sociale, peut-être dans une organisation, mais en tout cas c'est quelqu'un qui avait de l'ambition et qui voulait gravir les échelons. Malgré tout, lorsqu'il se retrouve avec d'autres personnes, on voit qu'il est inapte. On voit ici qu'il n'y a qu'un pied qui est représenté sur le personnage en haut à gauche, et ça nous représente vraiment la bancalité d'une situation et son rapport dans un groupe. Qui indique que ce monsieur manquait de savoir-vivre et de savoir-être. C'était dissonant par rapport aux personnes qu'il fréquentait. Ici, j'ai la carte d'un homme qui paraît très soucieux, qui regarde derrière lui, qui semble effrayé. On peut nous le représenter ici comme une personne qui aurait notion du danger qui le poursuit. Il savait que dans cette organisation, visiblement, il y avait des choses qui pouvaient lui porter préjudice. Vous voyez? Alors, je ne sais pas dire si c'est vraiment des boules de neige ou en tout cas le t-shirt est sale. Il y a deux boules dans chaque main. Je pense vraiment qu'on est sur une situation de menace. Il a dû être menacé. Voilà ici un enfant solitaire sur une plage qui s'amuse avec son cerf-volant. On peut nous parler d'une personne qui aurait agi seule, qui n'aurait pas forcément sur le moment eu besoin d'avoir un complice. C'est un crime d'opportunité. Néanmoins, cet enfant aurait peut-être pour vocation à être ramené dans une organisation
bien structurée, type entreprise qu'on pourrait connaître, mais entreprise du crime. Allez, le Landais. Nordal. Alors, cette carte est intéressante puisque de nouveau, on nous parle du psyché et on nous parle de quelqu'un qui vit dans dans son imaginaire, dans un monde qu'il a dessiné lui-même et il n'est pas forcément connecté au monde dans lequel nous, on évolue. C'est quelqu'un qui s'est marginalisé, je pense, depuis déjà un certain nombre d'années. Donc, je vais continuer. J'avais trop de cartes. J'en ai deux qui sont tout à fait intéressantes. Ici, j'ai une personne qui a les bras chargés, qui a les bras chargés par des objets symboliques, dont le globe terrestre, une maison. Voilà, on voit vraiment que c'est des choses qui sont, et un billet, ça représente la stabilité. Quelqu'un qui s'est accroché à ses biens matériels. Il y a la voiture ici. Quelqu'un qui est accroché à ses biens matériels. Il fait peut-être ça pour l'argent et qui réseaute. C'est quelqu'un qui se sert de son ordinateur pour communiquer. Communiquer autour de quoi? Communiquer autour de l'argent. Ok. Et communiquer autour des médicaments et des drogues. Ok. Donc là, on nous parle de son trafic de stupéfiants et l'utilisation des réseaux. Est-ce que je vais tirer une dernière carte sur celle-ci pour voir si on vient à nous parler, par exemple, d'êtres humains ou d'autres choses qu'il aurait pu éventuellement. Qu'il aurait pu éventuellement trafiquer. Donc là, non, j'ai une maison qui semble vide et qui semble sans entourage. On peut nous parler, oui, vraiment d'une personne qui est très solitaire et très, très déprimée. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de. La vie intérieure est pauvre. Tempête sur lui, tempête sur Nordal, puisque tempête arrive avec la colère bien souvent. Ça arrive soit en répercussion, soit pendant, mais là, il y a eu vraiment un caractère très compliqué et on nous prouve qu'il s'agit bien de lui. Il s'est senti pointé du doigt, il s'est senti mis en accusation de manière seule et je pense que ça ne lui a pas plu. J'imagine que s'il n'a pas parlé et pas donné de nom, c'est que les personnes avec lui devaient être certainement bien puissantes parce qu'il a dit qu'il n'était pas tout seul, mais il n'a jamais, en tout cas, on ne nous a pas donné les noms des personnes qui auraient pu être concernées dans ses affaires avec lui. J'ai trop de cartes qui tombent à chaque fois. Ah, j'en ai plus. Nous avons une compétition équestre avec deux personnes qui sont représentées, dont une qui semble être un enfant, puisque la taille est beaucoup plus petite ici que là. Donc on peut nous montrer ici la volonté de kidnapper, de prendre en charge des enfants dans un moyen de locomotion. On peut aussi nous parler de quelqu'un qui était au plus proche des enfants, peut-être dans l'apprentissage. Est-ce que c'est quelqu'un qui aurait pu essayer d'expliquer des choses à des enfants, leur donner des cours? Mais on voit que ces enfants, bon, on est sur une situation vraiment où l'enfant se lâche dans les bras d'un adulte, il se jette dans le vide. Est-ce que lui, ben voilà, lui l'adulte qui est ici semble vouloir le retenir. En carte complémentaire, j'ai celle-ci que je n'avais jamais tirée, je crois. Celle-ci, donc on voit deux personnes, dont une qui observe l'autre. Donc il y a bien pour moi un exécutant et un donneur d'ordre. On voit qu'ici, il s'agirait de personnes avec un statut peut-être élevé ou des commerciaux, des gens qui porteraient le costume. Mais on peut aussi nous représenter à travers cette carte un box avec un accusé et un juge. Ouais. Vous voyez, là, j'ai la liasse de documents, de papiers qui arrivent et on nous parle de l'instruction sur Mordel. Ok. Très bien pour ce jeu, je vais m'en arrêter là. Sur Monsieur Lelandais Nordal. Et je vais demander si. Alors le caporal Noyer, bon, évidemment, comme il y a eu des preuves, il a avoué. Mais Nordal Lelandais est quelqu'un qui est dans le contrôle et qui n'avoue que lorsqu'il a la tête dans le seau. Il n'a jamais rien dit avant que la tache de sang ait été découverte concernant Maëlys. Ça ne le gênait pas. Donc, est-ce qu'il a eu de l'aide d'une personne extérieure? Oui. Oui, au moins d'une personne. On voit qu'il était seul et qu'il y a des gens autour de lui qui se sont greffés. Je vais demander, est-ce qu'on peut nous donner une précision sur là où les personnes. Un étau qui se resserre. Donc, potentiellement, quand même, sur l'affaire Lelandais, on va en entendre reparler. Ou est-ce que c'était au moment où il a passé cette commande que.
Un équilibriste, alors équilibriste pourrait signifier que Nordal est entouré de personnes qui prennent des risques et qui jouent tout le temps entre deux catégories, deux mondes, et qui naviguent comme ça un petit peu entre ces deux sphères, en s'en sortant plutôt bien, puisqu'on voit que le personnage est bien engagé. On voit une situation, alors je ne vais pas parler d'esclavage, parce que je sais que dans certains pays ça existe encore et que c'est une coutume. Mais c'est une femme qui traîne un chariot et la femme est également présente ici. Je me demande quand même si Nordal n'aurait pas confié certaines choses à sa mère ou à des proches de la famille. Là, on voit quelqu'un qui se tient la joue comme s'il avait pris une claque et une personne qui est remplie de couleurs plutôt vives, plutôt normalement, qui sont joyeuses et qui rappellent la couleur des chakras. On peut nous parler ici d'une évolution peut-être d'un enfant qui aurait subi des violences et qui souhaiterait malgré tout atteindre des sphères plus positives. Ici, on a un enfant qui est entouré d'oiseaux et qui s'est endormi sur son bureau. On nous montre diverses sortes d'oiseaux. Je vois ici une chouette par exemple. Là, ça ressemble peut-être plus à un pigeon ou à un corbeau. Enfin, là, il y a comme une oie, vous voyez. Donc, il y a plusieurs styles de volatiles. Et qui lui tourne au-dessus de la tête. Il a eu des mauvaises pensées, il a été perturbé, on est venu dans sa tête lui dire d'agir en fait. On nous montre vraiment un esprit perturbé et incapable de se concentrer à cause de ce qu'on lui souffle. Moi je pense même s'il n'est pas reconnu comme fou, qu'à un moment donné, potentiellement soit ça représente les ordres de personnes qui sont au-dessus de lui, soit c'est dans sa tête qu'il a eu tous ces messages. Le rideau du théâtre, on nous a joué la comédie, il a joué la comédie, il s'est oui, il s'est donné en spectacle dans sa vie et en cachant complètement qui il était pour autant. Et en faisant ainsi, il s'est vraiment enchaîné à cette situation. Ouais. Moi, je vois vraiment une situation là où on nous parle de deux personnes. Je vais essayer de recouvrir ces cartes-là, mais avec un autre jeu. Je vais prendre le jeu de Résilio. Quoique non, ce que je vais... Résilio, c'est celui que je viens de prendre en plus. Non, je vais prendre le jeu des couples, parce que même s'il n'était pas en couple, on va essayer avec celui-là de déterminer sa relation à la mère. Parce que je pense qu'il y a quelque chose, en tout cas, moi, ça me vient en tête, et je vais me faire confiance là-dessus. Je ne dis pas du tout que la mère est au courant ou coupable, hein, mais simplement pour moi, il y a vraiment quelque chose en lien avec sa relation à la mère. Donc, je vais faire un tirage sur ces cartes-là, qui sont des cartes avec des panneaux comme sur la route, pour avoir une coupe. Bon, ben voilà. Bon, pas de violence, pas d'armes à feu, pas de mort, pas d'accident, pas de... Par rapport à la mère, on nous dit donc c'est quelqu'un qui était non violente. Hein. Il n'y a pas de. Visiblement, en tout cas, pas quelqu'un qui aurait supporté tout ça, bien que Nordal était pendant un temps dans l'armée. Alors, la maman. Oh, on sent. C'est encore mieux. Nordal n'est pas resté très longtemps dans l'armée. Il a été licencié, je crois, si je ne dis pas de bêtises, à cause de son tempérament. Il était maître chien, donc c'est vrai que c'est là où il a pris l'habitude de travailler avec ses animaux dont il s'est servi pour que Maëlys le suive jusqu'à son véhicule. Alors, la mère de Lavandel. C'est la mère nourricière qui ressort ici avec une situation un peu masochiste où on a un homme nu qui est attaché et qu'elle allaite. Donc, il y a une relation déséquilibrée avec quelqu'un, visiblement, dont le tempérament est de devoir. Ici, on nous montre quelqu'un qui aime avoir droit de vie et de mort sur son conjoint, puisqu'elle le nourrit. C'est grâce à elle que la vie passe. Lui, il est attaché, pieds et poings liés, tout nu. C'est un peu comme un esclave. On voit des personnes qui ne s'entendent plus et qui ne voient pas les choses sous le même angle entre Nordal et sa mère. Ouais, je vois effectivement, il y a la carte de la violence hein, qui arrive et ça ne m'étonne pas du tout. C'est quelqu'un, je pense, qui arrivait à faire des crises régulièrement chez lui aussi. Quelqu'un vraiment d'un tempérament. C'est lié à la prise de stupéfiants, hein, je pense, qui a vraiment.
un lien de corrélation fort entre les stupes et ça. Donc elle vit une relation, semble-t-il, plutôt harmonieuse. En tout cas, c'est ainsi qu'elle pensait vi vivre sa vie, ses vieux jours en couple heureux avec quelqu'un qui prend soin d'elle. Allez, Madame Lelandais, une dernière carte. Elle se sent prisonnière. On est face à cette carte. Elle est prisonnière de sa relation à son fils. Donc non, ça ne sera sûrement pas de son côté qu'il faudra aller chercher le soutien féminin que Nordal aurait pu avoir. Malheureusement, je ne connais pas l'entourage de Lelandais et je ne connais pas ses amis. Je ne sais pas s'il a des amies féminines. Je sais qu'il a déjà été en couple. Alors, est-ce que de ce côté-là, on pourrait avoir des infos par la suite? Est-ce que ça pourrait venir d'une ex-conjointe? Je ne sais pas. Non, pour moi, il y a vraiment la présence en plus de l'homme, d'une femme. Je vais faire un dernier tirage pour compléter au maximum les informations du jour. Et dans ce tirage, je vais demander s'il y a eu d'autres victimes de Lelandais. Je vais utiliser le jeu de cartes de Joséphine pour ce faire. Et donc, je vais demander si Nordal Lelandais a fait d'autres victimes, hormis Maëlys et le caporal noyé, que nous n'avons pas encore découvert, auxquels nous serions peut-être un jour confrontés. Mais déjà, dans un premier temps, je vais poser la question en trois cartes de savoir si oui ou non le Nordal Lelandais a tué d'autres personnes par le passé avant de s'en prendre au caporal noyé et à Maëlys, parce que c'est possible aussi, hein, ça c'est quelque chose qu'il faut tenir en considération. J'ai des cartes de règles de jeu qui se sont mélangées aux miennes. Voilà. La question, c'est est-ce que Nordal a commis d'autres crimes dont nous n'avons pas encore la preuve? Alors, a priori, ici, la tendance est plutôt sur une réponse qui serait négative. Donc en soi, c'est plutôt rassurant. Maintenant, c'est pas parce que c'est pas lui qui les a commis que son organisation n'aurait pas pu le faire à sa place. Donc je vais déjà finir ce tirage sur lui et puis je vais voir après avec une réponse qui pourrait concerner une organisation. Alors pour moi, il est évident ici que nous avons été face à une personne indépendante. Nordal a été entouré de parents qui étaient plutôt solitaires. Peut-être que la mère était divorcée ou en tout cas qu'elle était seule dans son quotidien. Peut-être que son mari travaillait en déplacement. C'est quelqu'un par contre qui a toujours eu des vraies joies dans sa famille, qui a partagé des moments familiaux qui l'ont construit et desquels il a été plutôt heureux. Malgré tout, en grandissant, on voit une déception qui s'est créée et une difficulté en fait avec la vie adulte. Donc Nordal, ce que je vous propose de nouveau, c'est un tirage en trois avec ce jeu pour voir si j'ai un peu plus de précision qui voudrait bien arriver. Voilà, donc la carte numéro 1. Ouh là là, la dame de carreau renversée. Alors dans la situation présente, pour lui, ce qu'on nous dit ici, c'est que bon ben il est entouré d'une femme opportuniste, que cette femme, ça aurait pu être une maîtresse, je suis en train de me dire, c'est pas de carreau en plus, c'est de cœur. Donc ça aurait pu être sa maîtresse, on peut nous parler d'une maîtresse ici en fait, d'une femme qui aurait beaucoup compté pour lui. Et qui aurait été en couple avec lui, une personne qui serait plutôt émotive et qui s'inquiète du sort de Nordal. Très bien. Donc on voit ici que la carte qui ressort sur la gauche, c'est plutôt le positif dans cette situation. Et ici, on nous parle d'autorité, d'un homme autoritaire. Et ce qui est positif là-dedans, ça serait peut-être qu'on est quelqu'un
qui peut avancer sans se poser trop de questions. Malgré tout, on nous apprend aussi que ce personnage était vraiment quelqu'un qui n'avait aucun tact, qui ne savait pas s'exprimer de manière aimable et qui n'en avait pas forcément envie. Ça a pu lui servir dans le passé, peut-être dans son cadre de travail. Il aurait pu être quelqu'un de très exigeant professionnellement s'il était impliqué. Par contre, ici dans la catégorie en fait des limites, oui des limites, on va dire ainsi des limites. Excusez-moi, ces cartes sont bêtes, c'est la petite carte de jeu de modèle. Donc là, en fait, on nous dit donc les limites et les failles dans tout ceci, c'est plutôt que Nordal a fait preuve en fait d'un manque de réalisme. Il a cru qu'il ne se ferait jamais attraper. C'est quelqu'un qui a menti et qui pensait que ça suffisait. Et c'est quelqu'un aussi qui a eu des nouvelles, qui a su qu'il allait être abandonné. Donc quelqu'un qui a souffert d'un abandon. Pour moi, il y a deux sortes d'abandon dans sa vie. J'ai l'impression vraiment qu'il y a quelque chose lié à l'enfance qui ne supporte plus de revivre en tant qu'adulte. En tout cas, en conclusion, on nous parle d'opportunités ratées. On nous dit qu'il y avait une solution au problème qui aurait pu se présenter et qu'il aurait pu ne pas agir ainsi, mais qu'il n'a pas fait le bon choix. On nous dit qu'il n'a pas fait le bon choix pour se satisfaire lui aussi, donc soit par l'argent, soit par d'autres moyens de satisfaction. Par contre, on ne nous dit pas plus de renseignements sur les autres affaires qu'il aurait pu commettre. Donc, a priori, je n'en saurais pas plus avec ce jeu. Afin de pouvoir peut-être faire parler plus les cartes, je vais faire un tirage différent. Donc l'utilité de ces petites cartes, c'est d'avoir des tirages qui sont proposés directement lorsqu'on achète le jeu. Ça, c'est pas mal parce que ça peut diversifier un peu la façon de tirer, ça peut représenter d'autres informations qu'on n'a pas forcément. Et c'est ce que je vais faire ici en dédiant 13 cartes sur la complicité de l'Hollandais sur ses complices. Donc là, c'est plus sur lui, c'est vraiment sur ses complices. Donc, je vais prendre 13 cartes tout de suite. Voilà, donc là, c'est vrai que je vais un peu loin dans mes explications, mais c'est important parce que cette affaire peut peut-être avoir impacté, enfin, cette arrestation de Landais peut impacter sur d'autres affaires qui restent des cold cases et les familles souffrent de ne pas savoir ce qui est arrivé à leurs proches depuis des années. Donc, si je peux, à ma toute petite échelle, encore une fois, j'ai aucune prétention, mais en tout cas, si je peux essayer d'apporter une pierre à l'édifice, c'est avec plaisir. Dame de carreau à l'endroit. Ok. Je les retourne toutes afin de gagner plus de temps et ne pas vous en faire perdre trop. Je ne suis pas sûre que. J'ai peur parfois que mes vidéos soient trop longues et que ça vous lasse. Donc, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de la dame de carreau avec le 9 de trèfle renversé. Cette dame de carreau ici est arrivée à l'endroit et on nous parle plutôt de quelqu'un qui aurait été de bon conseil à ce moment-là dans son existence et quelqu'un qui aurait pu, alors bon conseil, ça, qui a donné des conseils surtout pour résoudre un problème. Donc est-ce que c'est le bon conseil vraiment? Je ne sais pas, mais ça a pu résoudre par exemple un problème financier, ces enlèvements ou ces autres meurtres potentiels. Ici, avec le 9 de trèfle renversé, on nous dit que c'est venu en complément d'un soutien. Donc, c'est vrai que là, on a vraiment eu un soutien et dans les parties financières, mais aussi dans les difficultés. Donc, il a bénéficié vraiment d'une aide. Hein. Donc, nous avons de nouveau l'as de carreau avec la dame de cœur renversée. Décidément, ça veut vraiment rester ainsi, hein. Donc je vais pas réécrire l'histoire. On nous parle d'un courrier, d'un document ici. On nous parle d'un document en lien avec une dame. D'un document, est-ce qu'il a été balancé par quelqu'un, peut-être? Est-ce qu'il y a une femme qui aurait fait des témoignages contre lui?
Et c'est cette fameuse femme émotive dont je vous parlais dans le tirage précédent. Ça peut être une ancienne collègue de travail, ou en tout cas quelqu'un qui est plutôt empathique et qui se doutait de la méchanceté de Nordal. Donc il y a une personne qui a essayé d'alerter. Après, nous avons le 8 de carreau qui se présente à nous avec le 7 de carreau. Donc le 8 de carreau, ici, dans ce sens précisément, nous indique qu'il y a des démarches qui ont été faites, des démarches peut-être risquées. Ici, on nous parle de démarches éprouvantes. Donc dans cette association, si association il y a eu, ça a été compliqué à mettre en place. Et il y a eu beaucoup de discussions avec le 7 de carreau. On nous parle vraiment, ben, je pourrais dire le mot intrigue, hein, pour le coup, vraiment on est dans l'intrigue. Il y a eu quelque chose aussi qui est de l'ordre du ragot. On a dû, je pense, faire un tri sélectif sur les personnes qui pouvaient correspondre aux exigences de ce groupe. Le valet de trèfle est associé avec le 10 de carreau. Ok. Donc ce valet de trèfle qui arrive à l'endroit, c'est une personne plutôt fiable. C'est quelqu'un qui est un collègue très important ou un ami fidèle. Il peut représenter aussi quelqu'un qui est très persévérant dans sa manière d'être et puis dans ses échanges, que ce soit commerciaux, familiaux. C'est quelqu'un qui ne baisse pas les bras, même s'il obtient un refus à une proposition. Donc là, on est vraiment sur une personne qui pourrait ressembler à un chef au niveau du tempérament. Et relié avec la carte du 10 qui arrive dans ce sens, c'est qu'une personne qui est en lien avec l'étranger. C'est quelqu'un qui soit a eu des difficultés à l'étranger ou en a actuellement. C'est quelqu'un qui a une activité financière, notamment en lien avec l'étranger. Donc la dame de trèfle, pour le coup, qui arrive renversée ici, nous apporte une précision. Nous apporte une précision sur la superficialité d'une personne qui entoure Nordal et qui fait partie de cette organisation. Ça serait une personne qui serait vraiment vénale parce que déshéritée. C'est quelqu'un qui a été trop dépensier, c'est quelqu'un qui ne travaille plus, qui est très instable et qui a utilisé les compétences et le sadisme de Nordal pour ses propres fins. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, entre guillemets, puisque c'est toujours délicat lorsqu'on parle de ce genre d'affaires. Néanmoins, j'espère vous avoir intéressé, j'espère que vous en avez appris un peu plus. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre d'affaires plus récentes et sur lesquelles il y a encore des doutes, même si nous avons le coupable, peut vous intéresser. Dans ces cas-là, je pourrais essayer de voir d'autres affaires, peut-être l'affaire Allègre, d'autres affaires qui seraient en lien un petit peu avec ce genre d'histoire. En tout cas, merci pour votre présence et je vous souhaite à tous une très bonne journée. À bientôt pour une nouvelle vidéo.